C'est là qu'a eu lieu l'effondrement de la mine de Typhon en 2008. Pourquoi est-ce qu'ils déclencheraient une explosion dans leur mine actuelle pour dissimuler une explosion dans leur ancienne mine? L'ancien site de Typhon venait bien d'être inspecté il y a peu, non? Ou alors, ils n'extrayaient plus rien. Ils voulaient enterrer quelque chose. Pike, tout est sur cette clé USB. Toutes les preuves qu'il te faut pour choper Typhon et pour la mort de Gabe, et bien plus. D'accord. Apporte-la, je te retrouve dans une heure. Merci. À toutes. Habitants de Heaven Springs, nous sommes en direct du Festival du Printemps. Un dernier appel, allez au chariot de fleurs de Lette, prendre une rose avant qu'il n'y en ait plus. Lors du premier Festival du Printemps de Heaven, les femmes libres de bonne famille en âge d'enfanter offraient des roses pour attirer un parti. L'histoire est pleine de bizarreries, j'y peux rien. On s'est débarrassé des parties, heureusement, pour ne garder que les roses. Et si vous avez quelqu'un à l'esprit, une rose est un bon moyen de lui dire que vous l'aimez. Et un excellent moyen de lui dire « Hé, regarde une rose !» Ça a l'air marrant. Est-ce que je me vois donner une rose ? Peut-être. Je verrai ça en bas. En attendant... Je vais prendre la clé USB. Je crois que je vais me limiter aux démineurs. En attendant, je vais prendre la clé USB. J'ai encore oublié de parler du robinet à Jed, mais j'ai trop peur qu'il essaie de m'apprendre à le réparer. Bon. Il faut que je descende. Le monde ne mérite vraiment pas Taynor. Il faut vraiment que je descende au parc. Test, test. Check. 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 Oh putain, je savais pas que t'avais une jupe. Salut tout le monde.
Joyeux premier festival du printemps. Merci. Je crois que je vous dois des excuses à tous les deux. Tout à l'heure, dans l'appart, j'ai vraiment pété un câble. Ces dernières semaines, j'ai cru que j'arrivais à maîtriser mes émotions. Mais après ce qui s'est passé avec Charlotte, c'est toujours pareil. Je perds le contrôle et je finis par faire du mal aux gens que j'aime. Je suis vraiment désolée. Non. Mais laisse tomber. Si quelqu'un doit s'excuser, c'est moi. Depuis qu'on s'est rencontrés, t'as été là pour moi. Et quand toi, t'as des problèmes, je me barre. C'était pas cool. Je suis vraiment désolée. Si on est désolées toutes les deux, est-ce que ça s'annule du coup? Ouais, je crois. Retour à la normale. Pas que je veuille gâcher cet instant, mais Typhon a fait sauter sa propre mine. Pourquoi? Je sais pas encore. Mais on a toutes les preuves nécessaires pour les faire tomber pour la mort de Gabe. J'ai appelé Pike. Il va bientôt arriver. Quand il aura vu ce qu'il y a sur cette clé USB, Typhon sera fini. D'où la fête. Je crois qu'on a tous bien mérité de s'amuser ce soir. Le groupe va bientôt commencer. Tu ferais mieux d'aller te mettre devant. Oh, super. T'as besoin d'aide pour la mise en place? Non, c'est bon, on a presque fini. Bon, il faut que je retourne à la caravane. Fais comme si t'étais normal en attendant. Ça, je peux pas te le promettre. Envoie un texto quand c'est bon. Si je voulais offrir une rose, Steph et Ryan seraient certainement sur ma liste. Enfin. Allons profiter du festival. Salope hypocrite. C'était le rouge. Pourquoi je m'inflige ça? Je peux peut-être trouver un moyen de l'aider. 1, 2, 3. Cette année encore, je peux garder la carte cadeau pour moi. Quel diablage je fais? Sérieux? Allez, dame au bonbon, c'est pas juste. Bonsoir. Devinez le nombre exact de bonbons et gagnez un prix. Une réponse par personne. Le nombre exact. Cette année encore, je peux garder la carte cadeau pour moi. Bonsoir. Ah, bonsoir. Ça fait plaisir de te voir. Tu rigoles pas avec ce pot de bonbons. Tu prends ça très au sérieux. Ouais. C'est parce que le prix est une carte cadeau de 100$. Ma mère vient d'avoir une promotion. Alors, j'ai pensé que je pourrais l'inviter à dîner. Et c'est vraiment gênant, dit à haute voix. Mais non. C'est adorable. Je peux peut-être t'aider. Oh, pour de vrai? T'es doué pour ça? Combien tu crois qu'il y a de bonbons là-dedans? Il y en a toujours plus que ce qu'on croit. Je dirais, genre 800 par là. Ah. Ouais, peut-être. J'ai l'impression que quelque chose a changé chez la dame aux bonbons. Je devrais peut-être lire ses émotions. 800 et quelques, c'est pas mal. J'espère qu'ils baisseront pas le chiffre. Oh, je suis tombée pas loin.
Je devrais peut-être dire quelque chose. Hé, j'ai une autre réponse. Ouais. Je pense que c'est plus proche des 700. Ouais, 700 ça a l'air bon. Mais il faut qu'on ait le nombre exact. Je viens de sentir le cœur de la dame manquer un battement. Je devrais relire ses émotions. Ça alors ? Ils sont vraiment pas loin des 731. C'est qui cette fille ? Eh ouais, je connais ton secret. La réponse est 731. Me demande pas pourquoi. 731 bonbons. C'est... Oui, c'est ça. Oui. Merci beaucoup de m'avoir aidé. T'es au top. C'est rien. J'en reviens pas. Comment elle a su ? Ça m'a pris toute une vie de traumatisme émotionnel. C'est le meilleur festival de printemps que j'ai jamais connu. Et ainsi, la paix revint dans le royaume des bonbons. Steph a vraiment fait des miracles en organisant tout ça. C'était l'an... Excusez-moi. C'était l'an dernier. Mais... Excusez-moi. Génial que la station de radio transmette en direct du parc. Oh, coucou Val. Ils ont même réussi à t'embringuer là-dedans. C'est le pied. C'est le meilleur moment de l'année, sans problème. Son enthousiasme est carrément contagieux. Surtout pour moi. Alors, où est l'after cette année ? Le quoi ? Mon Dieu ! J'espère que Riley va bien. Un jeune homme comme vous, il est arrivé quelque chose à Riley ? En fait, je commence à être claqué. Je pense que... Bonsoir, Eleanor. Bonsoir, ma chérie. Dites-moi, où est Riley ? Je l'ai pas vu dans le coin. Eh bien, elle a beaucoup de choses à gérer en ce moment. Je crois qu'elle préfère rester seule ce soir. Ok. Chelou tout ça. Je me demande si elle me cache pas quelque chose. La décoration est vraiment magnifique. Ça a dû vous demander beaucoup de travail. Ça en vaut la peine. Alors, on se fait des shots après, ou bien ? Bien sûr. Un maître de shot qui commence. Je plaisante. Ou pas. Il faut que j'y aille. On dirait que Ryan est prêt. Vous aussi. Devrez y retourner. J'ai écouté l'appel. Et je voulais te remercier. Je sais que t'as essayé de faire ce qu'il fallait.
Je vais faire tomber Typhon. La compagnie tout entière. C'est pas que je doute de toi. Mais... en attendant... c'est la seule compagnie qui signe des chèques ici. Et j'ai encore plein de factures à payer. Arrête, Mac. Même toi, tu peux faire mieux qu'eux. C'est toujours aussi flatteur de voir que tu t'inquiètes pour moi. Étonnant que t'aies pas essayé de nous séparer. Oh, voilà le Mac que je connais. Bon, prends soin de toi. Toi aussi. C'est de ma faute. Hé, Steph ! Merci. Voilà. Ce concert est au top. C'est quelque chose. Bref, je m'appelle Izzy, elle c'est Steph. On est les Drugstore Makeup de Seattle. On a aussi des produits dérivés. Hé, hey, Ryan. J'ai quelque chose pour toi. Alex. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Waouh. Merci. Oh, de rien. En fait, j'ai quelque chose pour toi, moi aussi. On peut se voir après le concert ? Bien sûr. Parfait. Bon, tout est en place. Brett ? Ouais. Alors, qui joue ? Ton humble servante. Sérieux ? C'est génial ! Mais avec qui ? Steph. Avec qui tu joues ? Comment je vous hais ? Allez, on ne voulait pas que tu te dégonfles. Non mais qui vous dit que je me serais dégonflée ? Personne ? Mais c'est seulement parce qu'on ne t'en a pas donné l'occasion. Ça va être génial, tu verras. On n'a jamais joué ensemble et... enfin... désolée si c'est à chier. Et merde.
going out. I'm high as a kite and I just might stop to check you out. Let me go on, I got this to rip. Salut, Charlotte. C'est profond comment, à ton avis? Je parle du lac. Je sais pas. Je me sentais horriblement mal cet après-midi. Je savais pas si j'allais survivre à tout ça. Mais maintenant... C'est comme quand t'as une jambe endormie. Même si elle est toujours rattachée à ton corps, c'est comme si elle faisait plus partie de toi. Toute ma vie, j'ai eu des émotions intenses. Mais... peut-être que c'est mieux comme ça. Il n'y a aucune honte à avoir besoin d'être insensible. Et ça peut durer autant que nécessaire. Du moment que ça t'aide à avancer. J'ai pas honte, non. Mais je vois ce que tu veux dire. Merci. Enfin, au moins, je peux survivre à ça. Contente de t'avoir vue. Amuse-toi bien au festival. On dirait que Ryan veut qu'on se retrouve sur le toit. D'accord. Je dois admettre que c'est génial comme sensation. Tada! C'est un arbre. Merci, grand expert de la nature. Je me demandais surtout... pourquoi? Ma mère avait des insomnies quand j'étais petit. Elle prenait la voiture et allait aux lanternes. À 3h du mat, pour s'occuper du jardin. Elle m'emmenait avec elle parfois.
Ça a toujours été un endroit spécial pour moi. J'espère que ça le sera pour toi aussi. J'aurais dû mieux m'en occuper. Arrête. T'as eu d'autres choses à faire. Comme assurer tout à l'heure. T'es vraiment au top. Merci. Pour tout. Je me suis amusée. Tout comme le public. T'es obligée de recommencer l'année prochaine, hein? Hé, ça va? Oui, ça va. J'ai été tellement occupée que j'ai jamais pensé à ce que l'avenir pourrait être. Ok. Alors pensons-y maintenant. L'avenir d'Alex à Haven Springs. Dans tous les cinémas cet été. L'attraction. Sur glace. Ferme les yeux. C'est le matin. Il fait frais. Tu peux voir ton souffle. Tu marches dans la grande rue. Tu vas au travail. Où c'est ? Le magasin de disques, carrément. Non, je suis sûr que ça fera plaisir à Steph. Enfin, jusqu'à ce que tu l'évinces impitoyablement pour prendre sa place. Ensuite, après le boulot, tu as encore quelques heures devant toi avant le coucher du soleil. Il fait bon. Tu portes ta veste sous ton bras. Qu'est-ce que tu fais ? Je suis peut-être devenue une vraie fille du Colorado, qui arpente les montagnes, avec un de ces petits bâtons pointus, qui peuvent servir à planter quelqu'un. Un bâton de randonnée. C'est pas aussi pratique que tu le crois pour poignarder. Eh, mais regarde un peu. Qui arrive sur le sentier ? Qui ? C'est juste la personne la plus cool de Haven Springs. Il s'approche de toi avec l'air super cool. Sa veste à carreaux flottant au gré du vent. Imbécile. Ouais. J'essaie pas de te pousser à planifier ta vie, mais si tu décides de prendre racine, il y aura toujours une place pour toi à Haven Springs. C'est un jeu de mots de jardinier. Non. Peut-être. Je tiens beaucoup à toi, Alex. Vraiment. Tu es la personne la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée. Embrasse-la, embrasse-la. J'ai vraiment très envie de t'embrasser. Je sais. Tu veux retourner au festival ? Je t'offre des beignets. Tu peux m'en garder quelques-uns, plutôt ? Ouais, bien sûr. On se retrouve en bas.
Gabe, je peux te dire un truc? Je crois que j'ai compris pourquoi t'es mort, qui est responsable. C'est dingue, non? J'ai plus aucun fil à dénouer. Et c'est terrifiant. Parce qu'après tout ça, après Typhon, après toi, il me reste qu'une vie normale. Je comptais sur toi pour m'apprendre comment faire. Mais je crois que je vais m'en sortir. J'aurais tellement aimé que tu sois là pour le voir. Au fait, j'ai embrassé Ryan. Alors, voilà. Alex, t'as la clé USB? Oui. Tout y est. L'appel de Gabe, leur plan secret, la dissimulation. Il va falloir que tu m'accompagnes au poste. Alex, prends pas les choses difficiles. J'imagine que c'est pas l'idée que tu te faisais de ton premier festival. Pas vraiment, non. Café? Non, c'est bon. Mais merci. Tant mieux. De toute façon, on n'en a plus. Pike, qu'est-ce que je fous ici? Pour faire court, Diane t'accuse d'avoir volé sa clé USB. Mais de quoi tu parles? Est-ce que t'as volé cette clé USB? T'as regardé ce qu'il y avait dessus au moins? Je peux pas. Désolé. T'es bien en train de mener une enquête sur Typhon, non? Tout ce que tu cherches se trouve sur cette clé. Malgré tous mes efforts, l'affaire est close. L'ordre est arrivé aujourd'hui. J'ai fait ce que j'ai pu, mais tu sais, il n'y avait pas de preuves. Je suis désolé, Alex. L'ordre est arrivé aujourd'hui? Qui l'a donné? Ça venait d'en haut. Le patron du patron de mon patron. Ça dépasse mes fonctions. Écoute, ce qui est arrivé à mon frère n'était pas un accident. C'était un crime. Les fichiers qui sont sur cette clé en sont la preuve. Ouais, c'est peut-être vrai. Mettons que ça le soit. Le problème, c'est que t'as volé quelque chose qui appartient à Typhon. Je peux rien faire avec ça.
Je viens de te livrer des preuves accablantes sur un plateau. Ça change rien comment je les ai obtenues. Peut-être bien, mais c'est pas le cas. Alex, je crois que t'as pas les idées claires. Elles m'ont l'air assez claires pourtant. Diane compte te poursuivre pour fraude informatique. C'est un crime fédéral, Alex. 5 à 10 ans, facile. Tu sais quoi? Diane peut aller se faire foutre. C'est pas ça, la justice. C'est n'importe quoi. C'est pas si grave. Je lui ai parlé. Et même si elle est en colère contre toi après ce que t'as fait, elle va abandonner les poursuites. Si tu acceptes de tout laisser tomber, Typhon ne portera pas plainte. Pourquoi est-ce qu'elle ferait ça? Elle veut tout simplement classer l'affaire. Et c'est le seul moyen. Laisse tomber. Je signerai rien. Alex... Non! Typhon a dissimulé quelque chose dans la montagne. Quelque chose de tellement énorme qu'ils ont ignoré l'appel de Gabe et déclenché l'explosion rien que pour se couvrir. T'as pas envie de savoir ce que c'est? Comment ça, pour se couvrir? Il y a eu une autre explosion, secrète, qui a eu lieu exactement au même moment à l'ancienne mine. Et ça s'est passé comme par hasard quelques semaines à peine avant le début des inspections. Réveille-toi, Pike. Tout est là. Comme je te l'ai dit, ça change rien. Alex, sois raisonnable. Signe ce document, comme ça on pourra retourner au festival. Non. Alex, ça n'est pas une offre que tu peux refuser. J'ai dit non. Tu n'as pas le choix. Qu'est-ce qui te fait si peur? Vois par toi-même. Merde. Qu'est-ce qu'il y a dans cette enveloppe? C'est une menace? Tu t'attendais à quoi? Hein? Parce que Typhon, une multinationale qui encaisse des milliards chaque année, protégée par une armée d'avocats, et va savoir combien de politiciens grassement payés jettent l'éponge et te disent « C'est bon, tu nous as eus !» Je pensais pouvoir obtenir justice pour Gabe. Ouais, ben... Typhon a sa propre conception de la justice. Merde. Y a rien qui me ferait plus plaisir que de voir ces connards payer. Mais j'ai appris à mes dépens que c'était pas possible. Ils sont trop importants. Ils ont trop de relations et aucun scrupule. Déteste-moi. Si tu veux. Traite-moi de lâche. Mais j'ai pas envie de te perdre comme Gabe. Pike a une peur bleue de Typhon. Je parie que si j'absorbais sa peur...
Mais je peux pas penser qu'à moi. Steph et Ryan sont en danger, eux aussi. Putain, j'ai envie de détruire Typhon. Mais est-ce que j'ai le droit de mettre leur vie en danger avec la mienne ? Tu veux vraiment risquer ta vie pour ça ? Gabe, Mac, Alex, à qui le tour ? Putain ! Mais toi, ton petit crétin ! T'es un merdeux ! Typhon est une grosse boîte ! Typhon ne perd jamais ! Typhon fait disparaître les gens ! Qu'ils se fassent tuer s'ils veulent, mais pas toi ! Je sais que t'as peur. Moi aussi, j'ai peur. Je sais que tu penses que Typhon est trop importante, trop intouchable. Mais c'est pas vrai. Je les ferai tomber. Mais j'ai besoin de ton aide. Si tu le fais pas pour moi, fais-le pour Gabe. S'il te plaît. Putain. Je vais y réfléchir. Merci. Allez, casse-toi d'ici. Sérieux ? Alex. Sois prudente.